Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Les règles de la pétanque, c'est quoi? Écoute, c'est simple. Faut juste mettre sa boule le plus près du cochonnet. Tout d'abord, ce que j'aime bien à la pétanque, c'est faut être concentré. Ouais. Faut de la précision. Et j'aime bien aussi cet aspect stratégique, l'aspect convivial aussi. Pas seulement ça, il faut un terrain. Bien sûr, tu peux jouer sur un parking, au camping, mais l'idéal, c'est de jouer sur un boulevard. Bah écoute, justement, alors on est deux, comment ça se passe à partir de deux joueurs? Alors, là, on va jouer en tête à tête. Ouais. C'est à trois boules. Ouais. Voilà. On peut jouer aussi en doublette, où là, c'est en deux contre deux, toujours à trois boules. Tu peux jouer aussi en triplette, où là, c'est trois contre trois, mais par contre, c'est à deux boules. Bon alors, Gaëtan, ça y est, c'est le moment de jouer. J'ai tracé un cercle. Ouais, que tu as dessiné, voilà. Donc. D'un diamètre d'à peu près 50 cm. Ouais, allez, vas-y. Donc, je lance le cochonnet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le lancer entre 6 et 10 mètres. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est à noter. Bon, alors, je vais tenter une roulade. Et bien dans le cercle. Et dans le cercle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si je dépasse le cercle? C'est annulé. C'est annulé. Ouais. Bon, on va éviter ça. Donc là, maintenant, ça va être à moi de jouer. D'accord. De passer ta boule. Ok. C'est à l'équipe adverse de passer la boule. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, j'ai repris le point. Ça va être à toi de jouer. Gaëtan, je te propose qu'on aille voir les points. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Écoute, comme tu peux voir, là, c'est mes boules. J'ai trois points. Là, c'est les lisses. Là, c'est les striés. Donc, t'es quand même assez éloigné, hein. Écoute, je démarre, mais je vais y arriver, crois-moi. De toute façon, c'est pas fini. Hein. Pourquoi? Bah, il faut arriver jusqu'à 13. Ah bon? Et après 13, ça y est. Et on a gagné.